chalet-là est archi sale. On a juste à espérer que ce soit notre seule visite. Ouch! Mais mon lit d'hôtel! Maintenant que je sais comment les riches vivent, j'haïs tout ce que j'ai connu jusqu'ici. C'est ça, les litchis, Colin! Steph est correct. En tout cas, il annonce bien ses couleurs, ce gars-là. Terre et gris crasse. Mais ceci dit, il est correct. Messieurs, que la nuit soit bonne. Après toute une année dans le robot de Louis, j'ai de la difficulté à dormir quand j'ai plein d'espace. Merci encore de nous avoir fait perdre le défi, Joe. Moi? C'est toi qui as passé la journée à mastiner au lieu de creuser. Fait que, tu sais, ben j'aurais pas eu à mastiner si tout le monde avait fait ce que je leur disais de faire. C'est moi qui ai plus d'expérience dans l'équipe. C'est la faute de tout le monde. On n'avait rien qu'à travailler en équipe. Fait que là, fermez-la, j'aimerais ça dormir. Oh. Est-ce qu'une vilaine aurait dit ça? Je voulais pas être bête, là, mais... Oh, partager la chambre de deux chialeuses, c'est en train de me rendre folle! Monsieur? Tiens, mon beau genre du pitou, te v'là installé! J'ai eu une excellente journée! Je me suis fait des nouveaux amis et on a remporté notre premier défi! Oh, tu serais tellement fière! Faites beau rêve! Mais en regardant le livette de Sam, je me sens coupable. J'espère qu'il est correct sur l'île de l'os. Ça a passé proche. Pas vrai, l'écureuil? J'ai vu des œufs durs parfaits à ce point-là. La cuisson est au millisecondes près. Du bacon à l'érable! Faudrait qu'on gagne tout le temps. Il y a quelque chose qui n'est pas parfait. Excusez, majordome, j'ai un petit problème. Il y a à peu près 5% de plus en trop dans ce jus-là. Il me semblait que vous deviez voir un au moins... Oh, vous êtes rapide. Mais je suis sûre qu'il ne sera pas... Parfait. Votre attention, chers campeurs. Soyez à l'orée de la forêt dans 5 minutes. Terminé! Écoute, je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé hier. T'avais raison. Faut savoir travailler en équipe. Est-ce que mes excuses sont acceptées? Wow! C'est sûr. Travail d'équipe? Fais-moi pas vomir. C'est moi qui vais te contrôler. Correct. T'avais raison. L'équipe doit être solidaire. On fait la trêve? C'est évident. Et avoir Joël de mon côté, c'est la meilleure des stratégies. Après tout, si Joël dit quelque chose, Hugo est d'accord. Je sais que c'est dans le but de me manipuler. Et je suis très contente pour une fois. J'ai quand même un certain pouvoir sur eux autres. Go, l'équipe Joël! Oh, Audrey regarde encore dans ma direction. Est-ce que tu peux la faire arrêter? C'est très bien, mais c'est que j'ai pris la décision d'ignorer comme elle la mignonne, fait que c'est hors de question. Mais est-ce que tu peux me dire si on regarde dans ma direction? Si t'étais ma blonde, Joël, nul n'aurait le droit de te fixer trop longtemps de peur de faner ton éthérique beauté. Je dis ça pour te faire réfléchir. Mario et Joe essaient de convaincre Joël de faire une alliance, et j'ai l'intention de les battre de vitesse, et je serai la personne que Mario va convoiter. et Joe, Mario et Joe. Salut, soldats! Accueillez votre camarade hamster qui revient d'exil, Sam! Salut, Sam. C'était comment, l'exil? Mis à part la fin, ils me tournaient le ventre pis les ombres qui attaquaient. Plutôt bien, je dirais. Ça va aller, mon grand. On a pensé à t'apporter à manger. Groupe, vous êtes vraiment un calibre de joueur incroyable. Des bonnes pastilles de pouvoir robber des constillants. Hé, hey, Audrey, qu'est-ce que t'as apporté à Sam? Personne de la gang m'a dit qu'on devait faire ça. OK. Ce matin, notre défi va nous permettre de tester votre seuil de douleur.
C'est une version un peu tordue du défi de film de guerre qu'on a fait en saison 2. Deux caisses d'armes sont cachées au cœur de la forêt. La grande caisse est remplie de fusils à paintball dernier cri. Et la petite est remplie de lance-pierres rudimentaires sans intérêt. Les premiers arrivés pourront choisir. Et ensuite, vous devez arriver à toucher vos compétiteurs. J'ai très hâte de le faire, en tout cas. Vous aurez un point chaque fois que vous atteindrez un opposant. Les premiers qui ont 6 points gagnent. Et un des losers sera exclu de son équipe de façon odieuse. La toilette de la honte prendra du service. Du paintball encore? Oh, très original, méchant twist. Ah oui, la twist. Une des conditions de ma libération est que l'usage de tout genre de munitions m'est interdit, dont les balles de peinture. Alors, aujourd'hui, vous allez utiliser des sangsues! Des sangsues? Louis veut vraiment qu'on le gagne, le million, cette année. C'est chiant! Vu qu'ils ont remporté le défi d'hier, les héros pourront partir une minute avant les vilains. Ouais! À vous, Marc! Prêt? Savez-vous qui aurait pu les rattraper malgré leur minute d'avance du tonnerre? T'as vraiment tout gâché, Joe! On a tous voté pour qu'ils s'en aillent, oublie pas! On n'a peut-être aucune raison de s'en faire. On va t'aider, mon gars. Ça, c'est du travail d'équipe, la gang! Ouais, là, on serre les coudes et on s'écrasera tout le temps. Comme toi et Audrey. Ouais. Le bouquet alors qu'elle est allergique, le sac de poubelle. C'est cool que tu dises que tu veux être son amie. T'es sûre qu'elle va rien venir comme ça? T'es vraiment une vilaine ingénieuse. Mais ces choses-là sont arrivées sans que je le fasse exprès, je te le dis. Je te crois. Les vilains, soyez prêts. 3, 2, 1... Hey! Plus vite! Grouillez-vous! Si c'était juste moi, ce serait sa dernière journée sur Terre! Audrey, là, est assez effrayante, elle me fait peur! Non! J'adore que les choses soient effrayantes! Non! Fait que... Coudonc, qu'est-ce que je disais déjà? Est-ce que quelqu'un sait où se trouve le cœur de la forêt? Exactement! Pour le savoir, je vais monter! Aptitude assez impressionnante. Il va donc falloir que je voie à son éviction. C'est de ce côté-là. Ok, ils s'en vont à gauche en prenant un autre chemin. Peut-être qu'on va les devancer. Excellente idée. Gaulle et bon tour! On va les vaincre! Ça prendrait la quota. Elle arrive à me traîner comme si c'était une casse allumée. C'est bien naturel, Vicky. Et en quelque sorte, moi et Sarah Laurie, on a plein de choses en commun. Tout d'abord, on est super bien. Et il nous arrive parfois d'être légèrement déconnectés socialement parlant. Cameron, qu'est-ce que tu fais au jeu? Comme je vous disais. La grosse caisse! Faut qu'on ouvre la grosse! Wow, mais tout ce qui sort, eux autres! Les losers! La petite caisse! Faut qu'on ouvre la petite! Cool. Ouais, c'est de la technologie rudimentaire, en effet. Oh, ils sont cute! Je crois que je vais les surnommer les Jordi. Ouais! On n'en a rien à faire, petit tonnerre. Pas vrai, mes vilains? Hein? Je vais tirer du canon! Ah! On va l'utiliser en équipe. Pas vrai, Joël? Ben oui! C'est bien évident. C'est exactement ce que j'allais dire. Wouh! Go, l'équipe! Fait que Marie-Lou, Jo et Alessandro essayent d'amadouer Joël. Pourquoi est-ce qu'il y en a pas un qui s'essaie avec moi? Ben, il doit croire que je suis pas manipulable. Mais ce serait cool que j'essaye au moins. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'on devrait plus s'attaquer les uns les autres et s'attaquer à l'autre gang. Tirons du canon! Prendre la tête d'une gang est plus dur qu'on croirait. Ça, je suis pas mal d'accord. Les vilains ont débuté le défi en lion. Mais quelle équipe terminera gagnante aujourd'hui? C'est ce que vous saurez après la pause sur les étoiles des défis.